Figurez-vous que Joe Biden, le président américain, a décidé de ne pas transmettre, de ne pas donner ces missiles longue portée qui vont jusqu'à 300 km, les attaques MS, à l'Ukraine, à Kiev. Joe Biden a dit non. Les plus optimistes pourront dire que Joe Biden a dit non, mais, ou bien non, mais faut voir. N'empêche qu'il a dit non à Zelensky. Oui, on pensait que c'était la prochaine étape après les chars et les avions de combat et finalement il n'en est rien. Les attaques MS, on vous rappelle ce que c'est, hein, les systèmes de missiles tactiques à longue portée, des missiles sol-sol qui peuvent tirer à 300 km. Ça coûte 1 500 000 dollars, voilà, c'est une sacrée somme. Et voici ce que l'on annonçait il y a exactement 10 jours. Joe Biden sur le point de prendre une décision sur l'envoi de missiles à longue portée à Kiev, qui ouvre potentiellement un nouveau chapitre du soutien militaire américain à l'Ukraine. Certains experts le disaient, c'est sans doute l'arme qui peut tout changer sur le terrain. Finalement, il n'en sera rien. Écoutez, Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, écoutez ce qu'il a dit tout à l'heure. Ce que je dirais, c'est que le président Biden parle constamment à ses propres militaires et à ses homologues en Europe, ainsi qu'aux Ukrainiens eux-mêmes, de ce qui est nécessaire sur le champ de bataille à n'importe quelle phase de la guerre, et de ce que les États-Unis peuvent fournir, tout en garantissant que nous sommes en mesure de répondre à nos propres besoins en matière de dissuasion et de défense. Après mûre réflexion, il a décidé à ce jour de ne pas fournir d'attaque MS, mais il n'a pas non plus retiré cette option de la table pour l'avenir. Je n'ai rien à annoncer à ce sujet aujourd'hui. Bon, ben c'est dit poliment, c'est dit élégamment, Renaud Pilat, mais enfin c'est un nom, je suis désolé, moi je suis Zelensky en plus en ce moment sur le sol américain puisque Zelensky était à l'ONU, on l'a vu ce soir, il est à la Maison Blanche, mais voilà, c'est un camouflet quand même, vous êtes d'accord avec ça? Totalement, bon. On va en parler. Malheureusement le thème de la soirée c'est la très mauvaise passe pour l'Ukraine. Très mauvais espace. On parlera de ses relations avec la Pologne et la maladresse de Zelensky. Et là, on a ce soir un nom de Joe Biden sur ces fameux missiles à longue portée qui étaient attendus par l'équipe Zelensky depuis des jours. On regarde ce soir, je regardais juste avant de venir les réactions des principaux blogueurs ou en tout cas experts ukrainiens, mais qui sont également aux États-Unis, qui ont l'expression maintenant « do it or not do it », c'est-à-dire il va falloir que vous nous disiez on le fait ou on le fait pas. Et je crois que je connais pas exactement les raisons. Est-ce que les Américains ont peur qu'ils attaquent plus le territoire russe, parce qu'ils le font depuis quelques semaines et quelques mois, mais avec des drones, ils essaient d'atteindre Moscou. Donc est-ce que Biden a peur d'une escalade? Mais moi je ne comprends plus. Je vais vous dire, on va être à fin septembre, je ne comprends plus ce que font les alliés. Je ne comprends plus ce que font les Américains. Je ne les comprends plus. Normalement, il doit y avoir une symbiose entre l'air, la mer, ils n'ont pas de marine, mais le terrestre, les chars, tout aurait dû arriver en même temps avant l'été. Rien n'arrive en même temps. Il n'y a pas d'effet de masse. On est là à commenter soir après soir, 5 km, 10 km. Est-ce que là, ça va percer? Est-ce que là, ça ne va pas percer? On est à un échec de l'offensive, en tout cas le front. Le front est stable. Ils attendaient les missiles à longue portée. C'est non. Mais ils attendent quoi? Ils attendent quoi, les Américains? Ils attendent quoi? Renaud Pilat est en train de dire que finalement les alliés occidentaux donnent juste ce qu'il faut d'armes aux Ukrainiens pour maintenir la ligne de front, mais pas suffisamment pour enfoncer les Russes. C'est ça la vérité, colonel Goya? Écoutez, il faut se rendre un peu à l'évidence parfois, mais je renvoie à un excellent texte de François Stomme, grande spécialiste de Russie, dans Desk Russie, et qui explique comment les Russes ont réussi à introduire un certain nombre de messages, un certain nombre de thèmes dans les opinions publiques occidentales, et notamment aux États-Unis, sur notamment le thème « attention, il ne faut pas aller trop loin ». Le thème « attention, il ne faut pas faire s'effondrer la Russie, il faut pas, c'est un chantage au cas où ». Très clairement. Et il y a cette idée, voilà, il ne faut pas aller trop loin avec la Russie. Et donc, ce qu'on constate, oui, alors les Américains, c'est assez paradoxal, parce qu'ils aident quand même massivement l'Ukraine, et en même temps... 80 milliards, mais pourquoi? Sur certains éléments clés,
important, les avions de combat, même les chars Abrams, oui, mais bon, bon, ok, pas trop. Sur tous les éléments, ce qu'on appelle les équipements majeurs, oui. Bah, il y a une hésitation, quoi. Il y a une sorte de retenue, et on ne sait pas très bien pourquoi. Alors ça pourrait être une question stratégique, disant, voilà, on en a trop peu, notamment les Atacoms, on les réserve pour la Corée, etc., etc. Mais en réalité, quand on regarde de près, ça ne tient pas bien la route. J'ai vu votre mou, hein, votre petite mou, vous faites « mais ». Vous êtes dubitatif, comme Renaud Pilat. Oui, j'avoue que je ne comprends pas très bien, effectivement. On connaît la prudence de Michel et la rigueur, veut dire que ce soir, il y a quand même un coup de tonnerre chez beaucoup, beaucoup d'experts. Alors, on est aux États-Unis. Le président de la Chambre des représentants, c'est le sénateur McCarthy. McCarthy, c'est un républicain, hein, c'est un droitard, McCarthy. Et il donne une interview dans laquelle, eh bien, il dit, il faut aider l'Ukraine, mais attention, nous, les contribuables américains... on veut vraiment que Zelensky nous dise ce qu'il fait de notre pognon, quoi, en gros. J'ai à peine résumé, mais vous allez voir que c'est la tonalité générale. Et c'est pas rien, encore une fois, ce McCarthy est un élément important dans le dispositif politique des États-Unis d'Amérique. Lorsque vous allez le rencontrer, vous engagerez-vous à accorder un nouveau financement à l'Ukraine ? Zelensky est-il élu au Congrès ? Est-il notre président ? Je ne pense pas devoir m'engager à quoi que ce soit. J'ai des questions à lui poser. Quel est le plan de victoire ? Je pense que les Américains veulent savoir. Écoutez, que la Russie les envahisse est une erreur, une atrocité, et nous voulons nous assurer qu'elle cesse. J'ai également toujours dit depuis le début que quel que soit le problème, je veux qu'on rende compte aux contribuables qui travaillent dur, qui consacrent leur argent, et je veux un plan de victoire. Donc non, j'écouterai le peuple américain, je suivrai ce qui se passe au Congrès, mais j'aurai des questions à poser au président Zelensky. Gallagher Fenwick, est-ce qu'il a raison de demander des comptes ? Alors, moi, je vais vous donner une petite explication qui est la mienne. Sur le nom de Biden. Oui. Pourquoi Biden a dit non à Zelensky ? Et on va revenir sans doute sur l'odieuse métaphore qui a été employée par le président polonais Duda, qui dit que l'Ukraine, je le cite, est comme un homme qui est en train de se noyer. Il faut faire attention quand on essaie de le sauver, on risque d'être noyé et d'entraîner vers les fonds. Zelensky est en train de rentrer dans des eaux très, très troubles, c'est-à-dire les eaux de la campagne qui se déroule aux États-Unis en ce moment même. Pareillement, il y en a une en Pologne. Et donc, il a besoin très rapidement, parce que c'est un acteur international majeur, d'apprendre justement à nager et à naviguer dans ces eaux très, très troubles. Kevin McCarthy, qui est le président de la Chambre le plus mal élu de l'histoire du Congrès des États-Unis, est sous pression de la frange la plus à droite du Parti républicain. Vous l'avez décrit à juste titre comme un droitard. Mais il faut savoir qu'il y a des extrêmes droitards dans ce Parti républicain qui menacent de le faire tomber. Et ce sont eux, comme l'a dit le colonel Goya, qui ont introduit des éléments qui viennent de la frange MAGA, Trump, etc., qui sont des espèces de crypto poutinophiles qui sont alignés sur les thèses chères à Poutine et au Kremlin. Et donc, c'est ce à quoi on assiste. Et ça donne ce moment extrêmement compliqué pour Zelensky, où il vient au Congrès. Il a demandé à parler aux deux chambres comme la dernière fois. C'est ce même personnage, Kevin McCarthy, qui le lui a refusé. Et derrière, il va voir un Biden qui lui dit sur les attaques, écoute, c'est compliqué pour l'instant. À la poésie, est-ce que vous aviez senti le vent tourner ? On sait que Zelensky avait émis des doutes sur le soutien des alliés il y a 10 jours. Est-ce que vous sentiez que finalement, ça allait se concrétiser ? Non, je ne sens pas le vent tourner. Déjà, la phrase de Biden, c'était non pour l'instant, mais rien n'est dit que ça ne sera pas fait après. Et tout de suite, après ça, il y a eu la confirmation que les chars Abrams arrivent déjà bientôt, dans les jours qui viennent. Donc, ils sont quelque part en route. Ils auraient déjà dû arriver. Ils auraient déjà dû arriver. Ça, c'est une surprise qu'ils ne soient pas arrivés. Sans parler de tout ça, mais il y a quand même les aides de l'Allemagne. C'est encore une autre question. Mais concernant les Américains, nous avons quand même le soutien. Ils continuent, ils reçoivent Zelensky, ils lui encore une fois confirment le soutien, mais la période est compliquée. Et justement, c'est ce que je répète du jour à jour, que la propagande russe travaille les cerveaux des décideurs occidentaux en permanence, 24 heures sur 24, en passant les messages par tous les côtés, par les hommes politiques, par les opinions, par les influences sur les réseaux,
pour les empêcher à prendre les décisions courageuses de transfert. La dernière chose, c'est Atacams. Après Atacams, je vous interromps. J'ai mon copain Benjamin qui vous regarde tous les soirs, qui regarde notre émission tous les soirs et qui est passionné par cette actualité internationale, qui m'écrit à l'instant: l'hiver arrive, l'Occident est gentiment en train de larguer les Ukrainiens. Hein? C'est l'impression que nous avons aujourd'hui, parce que, mais ce n'est pas commencé aujourd'hui, ni hier, ni depuis cette visite. Regardez déjà le cas de l'Allemagne, ils ont fourni seulement 10% de tous les armements qu'ils ont promis aux Ukrainiens. Nous sommes toujours en attente de protection anti-aérienne, nous sommes toujours en attente de différents blindés, d'autres systèmes. Donc le problème des Ukrainiens aujourd'hui, ce n'est pas le manque de volonté, c'est tout simplement le manque des armements une fois de plus. Les avions, pourquoi autant de temps il faut attendre que les avions arrivent? Mais comment, comment vous l'expliquez? Ben, j'explique par Jack Sullivan n'est pas sous influence russe. Vos meilleurs amis maintenant sont sous influence russe. Les Polonais sont sous influence russe. Ne mettons pas les Polonais avec Jack Sullivan dans le même panier, c'est pas la même chose. On en parlera tout à l'heure. Jack Sullivan, c'est quelqu'un qui est allé voir avec Kirby. Il était en contact quand même avec les Russes déjà pendant la guerre, ce qui normalement ne devait pas être fait.